juge espagnol qui nous fait le plaisir, malgré son handicap, de juger son national. 1, 2, 3, il nous en fait encore un. Je vous disais, ça sent mon parfum, mais c'est toi. Quel numéro ? 152, 154, 158. Il nous manque le 155, s'il vous plaît. Le 155 qui a été retenu ce matin. Numéro 155. Il arrive. Ah, voilà. Il arrive. Se prépare pour éviter qu'on attende la classe ouverte mal bringée. La classe ouverte mal bringée, 160, 161, 165 et 177. Voilà, on va laisser le soin à l'ex-palacine de nous faire un rapide commentaire. Quand tu es classé, ça ne peut pas du tout dans le même type de champ. Mais bon, j'ai mis quatrième, un chien qui est un peu moins carré que la concurrente, avec un peu moins d'angulation à l'arrière et une région lombaire qui pourrait se montrer plus tendue en statique. Et j'ai mis troisième, un chien qui est compact, qui est bien dans sa taille, avec une tête un peu moins dessinée, avec des angulations un peu limitées, mais assez bien équilibrées, s'il vous plaît. J'ai mis les sièges en champ avec des angulations très serrées, très marquées, avec des allures très spectaculaires, même avec une tibia un peu longue, mais il est encore un peu, il manque un peu de la maturité au niveau des diamètres transversales, au niveau du développement des thorax. Il va fixer à l'avenir meilleur ses coudes et aussi l'action de l'intérieur au niveau des allures. Les premières, il est un peu plus limité au niveau de l'angulation du genou. Il a une petite tendance à mettre l'arrière final sous lui-même, mais quand même il bouge de manière fonctionnelle et là une solidité, une expression, une tête super. D'ailleurs,